vendredi 19 juillet. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors c'est le podcast je ne sais plus combien, je ne sais pas où on en est. Ça fait 2 semaines que je ne suis pas venue par ici parce que la semaine dernière, clairement, je n'aurais pas eu beaucoup de choses à vous montrer. Alors, je me présente rapidement pour les nouveaux à qui je souhaite la bienvenue et je fais un gros bisou à toutes celles et ceux qui sont présents à chaque vidéo. Merci beaucoup, je vous embrasse bien fort. Donc moi je m'appelle Anne, je suis la créatrice de Nana et Chocolat, le blog qui est un blog de cuisine à la base, nanaetchocolat.com. Vous pouvez me retrouver sur... Instagram, pareil sous le pseudo Nana et Chocolat. Sur Ravelry, alors sur Ravelry, je crois que c'est Anne Préam. Et je suis aussi sur Patreon, site sur lequel bah, je poste des petits contenus autres que ici, autres que ceux que je peux partager par ici pour essayer de financer ma future boutique, enfin ma boutique en ligne, nanaetchocolat.bigcartel.com, et donc le matériel dont j'ai besoin. Voilà, voilà. Donc je disais, oui, je ne suis pas venue la semaine dernière, j'ai préféré pas faire un podcast à la va-vite, j'avais pas le temps, et puis en plus, vraiment, je me suis dit que le contenu n'aurait pas été très intéressant. Je préfère vous partager quand même des choses intéressantes. J'avais pas beaucoup avancé sur mes projets. J'allais pas faire un podcast pour faire un podcast. Voilà. Donc quand c'est comme ça, je vous mets un petit mot sur YouTube et sur Instagram. Alors sur YouTube, on peut faire des petits posts comme sur Instagram. Donc j'avais posté un petit mot voilà, en expliquant que bah oui... j'avais pas assez avancé, donc on se retrouvait dimanche. On se retrouve dimanche, donc le dimanche matin à 9h. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça a été une semaine, donc passe à stylo d'avant, assez chargée. En plus, mon fils qui vient d'avoir le permis, il y a eu des petits déboires avec sa voiture. Il y a eu aussi des démarches à faire. Il a fallu aller chercher sa nouvelle voiture. Il a fallu faire les papiers, enfin... plein de choses voilà, de la vie de tous les jours, mais qui prennent du temps, mine de rien. Et ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour tricoter. En plus, bah, c'est les vacances scolaires. Alors, mon fils qui est au lycée, le plus jeune, bah, il est en vacances. Et bah, c'est vrai que j'essaye de... voilà, quand je rentre du travail, on essaye de faire des petites sorties quand même et de partager des moments bah, pour pas que... comme on part pas cette année, vu qu'on a déménagé il n'y a pas longtemps, bah pour qu'il passe aussi de bonnes vacances. Donc puis j'essaye de profiter de lui aussi, puisque comme il est à la maison, ça fait plaisir de l'avoir tous les jours ici. Donc bah, les journées sont bien remplies. Et les journées sont très remplies. Alors je voulais vous dire merci pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo. Un grand énorme merci. Alors j'ai répondu presque à tout le monde, je réponds à tout le monde, mais des fois ça peut prendre un peu de temps. Je vous avais dit aussi que si vous m'envoyez un message, un mail, je réponds, mais franchement ne m'en voulez pas si je réponds pas tout de suite, parce que vraiment des fois c'est compliqué. Il y a des jours j'ai même pas le temps de me connecter sur Instagram ou sur ma boîte mail. Dès que j'ai le temps je le fais. Moi je suis ravie de vous lire, ça me fait un énorme plaisir à chaque fois de vous lire, et je peux vous dire même que des fois vous me faites rire, rire, sourire. L'autre jour je lisais vos commentaires avant d'aller travailler, et je crois que j'ai répondu à cette personne, alors c'était la semaine dernière, je me souviens pas bien, mais j'ai dit bah voilà, tu as égayé ma journée avant de partir au boulot, c'était un petit rayon de soleil, un sourire avant de partir, bah c'était trop bien. Un grand merci, parce que vous avez énormément de mots gentils à mon attention, et bah c'est vraiment gentil, enfin je sais pas comment vous dire, je reçois beaucoup d'amour et de gentillesse, et bah merci, merci beaucoup. Alors, j'ai vu aussi une pluie de chaussettes en,
en emoji dans vos commentaires parce que je vous avais demandé si vous vouliez que je vous fasse un tuto vidéo et du coup bah, je vais le faire. Je vais le faire et je trouve que pour commencer à coudre, bah, c'est parfait. Pour faire un petit pochon pour mettre son tricot à chaussettes. Donc un pochon dans ce style-là. Et je vais essayer de le faire là au courant de l'été pour que vous l'ayez au moins avant fin août. C'est pas compliqué du tout à faire. Je vais me filmer, je vais vous expliquer comment je fais. Et en fait, dans ces petits pochons, vous pouvez mettre vos tricots chaussettes très facilement ou un petit projet châle. Alors c'est pas ce que j'utilise le plus parce que moi j'aime bien mes sacs à projet, style ceux-là. Mais je trouve ça pratique. Je trouve ça pratique à transporter quand même quand on veut un petit projet qui prend pas de place. Donc du coup, vu toutes ces chaussettes dans vos commentaires, puisque du coup si vous vouliez le tuto, il fallait mettre une petite chaussette, et ben je vais vous préparer ce tuto. On va coudre ensemble un petit pochon. Je vais essayer de faire ça bien de filmer ça correctement pour que tout le monde puisse se coudre son petit pochon à chaussettes. Voilà. Le mien, c'était un tissu petit chaperon rouge, mais je ne sais plus si c'était un dashwood. Voilà. Donc, voilà pour ça. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions de tricot. Alors, quand je sais, j'ai répondu tout de suite. Si c'est des questions techniques, j'essaye de répondre directement pour pas que la personne reste coincée sur son tricot. Et j'ai vu passer une question à laquelle j'ai pas eu le temps de répondre et je sais pas si cette personne va regarder la vidéo, mais alors c'est une question sur le lorette, mais je ne me souviens plus du tout parce que ça fait un moment que j'ai tricoté le haut et comme j'ai recommencé plein de fois, je ne me souviens pas. J'espère vraiment qu'elle a trouvé la solution et qu'elle n'est plus coincée, sinon je vais essayer quand même de me replonger dedans. Alors ma tante est en train de le commencer. Elle a le castonnet aujourd'hui, donc peut-être que je pourrais lui poser la question comme c'était au début du tricot et que je pourrais aider cette personne. Voilà. Et ben l'intro dure assez longtemps, mais j'avais des petites choses à vous dire avant de parler tricot. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci pour les commentaires, les réponses aux questions. Je crois qu'on est bon. Il me semble, oui, voilà. S'il y a quelque chose qui me revient, je vous en parle en cours de route. Et aujourd'hui, je peux dire, tada ! Regardez ce que je porte. Enfin, je peux dire que c'est la dernière fois que je vous parle de ce tricot dans mon podcast. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon lorette. Et quelle galère ! Je vais vous raconter ça. Donc, le lorette. Dernière fois, après peut-être je ferai une petite vidéo zoom comme je fais d'habitude, comme ça si vous voulez le tricoter, il aura sa vidéo dédiée. Alors, jusque là tout va bien, je trouve qu'il est joli, c'est vrai que je le trouve super joli, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup le rendu du fil et des laines que j'ai, des fils que j'ai choisis, mais je continue et persiste à dire que la thin line de Sandnes Garn, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que vraiment, il y a... Bon, là on voit qu'en vidéo. Alors, je vous montre. Bon, ça, c'est mon patron. Alors, déjà, je ne sais plus combien j'avais acheté de pelotes. C'est un peu bête. Et il m'en reste deux complètes. Donc, c'est la thin line de Sandnes Garn. Elle est vraiment très, 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 très fine. Et ce qui m'embête surtout, c'est que elle est composée en fait de plusieurs petits brins et on a facile à, quand on tricote, à pas prendre tous les brins ensemble et ça fait des petits fils tirés ou des mailles pas très jolies comme là. Vous voyez, il y a des petits défauts ou des petits fils du coup qui vont dépasser. Voilà, alors je suis contente du rendu. Le haut est très agréable à porter, il est léger puisque ça c'est donc de la... C'est un fil viscose coton et lin. C'est super agréable, hein, on ne peut pas dire le contraire. Mais à tricoter, franchement j'ai galéré et elle est
ça va très vite en fait à faire des nœuds, ce que j'ai pu constater quand j'ai voulu faire mon rabat à l'italienne. Donc, il me reste ça de ma pelote de Jawohl, mais il me semble, ah, je suis vraiment nulle, hein. Parce qu'il me semble que je l'avais utilisée. C'était une pelote entamée que j'ai, oui c'est ça, c'était une pelote entamée, mais je l'avais pas beaucoup entamée, que j'avais utilisée pour faire les chaussettes lapins de Pâques de Lysandre. Bon. Et il me reste ça. J'en avais acheté deux, du coup j'en ai une complète, c'est pas grave, elle ira dans des chaussettes. Et de son Asgard. Alors j'espère que j'ai noté, mais je suis même pas sûre. Ah si, j'ai dû noter. Ah bah ça c'est ballot. J'ai pas écrit. Bah ça c'est nul. Nulle, je me fatigue toute seule. En fait, j'ai écrit dans mon cahier à projet, mais j'ai pas noté combien j'avais acheté de pelotes. Pardon, j'ai toujours mes allergies. J'ai pas noté combien j'avais acheté de pelotes, donc il faudrait que je regarde sur Rascal pour vous dire combien j'en avais acheté. Et du coup, il m'en reste deux. Alors, oui, parce que j'ai pas fait les manches longues. Donc forcément, j'ai fait des manches courtes parce que j'en pouvais plus de ce haut. Et il m'en reste deux, donc j'imagine que j'en ai acheté quatre. Il faudra, je vais vérifier et je vais essayer de penser à vous le noter là en dessous. Voilà. Ouais. Et j'ai fait la taille 2. J'ai tricoté en 3 mm et les côtes en 2,5. Voilà. Alors, je trouve que le patron est super beau. Enfin, en plus, il est bien expliqué, malgré que j'ai dû recommencer plusieurs fois la dentelle. Mais ça, c'est ma faute, j'avais pas mis d'anneau marqueur pour les répétitions de dentelle. Donc maintenant, je le sais. Je trouve que le yoke là en dentelle, il tombe super bien. Ça arbitre pas. Je pensais que le col allait être trop large, il est super beau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai vraiment tout compris dans le patron. Moi, c'est que le deuxième top que je termine en tricot circulaire, puisque je tricote le en circulaire que depuis septembre. Donc, j'ai tricoté ça et le 13KO de longue avec Anna. Et un châle, mais un châle, c'est quand même plus simple. J'ai un peu galéré pour les dessous de manches. Parce que j'avais des petits trous. Alors, ce que j'aime pas, ouais, voilà, c'est que j'ai dû faire un peu de rafistolage. J'ai dû rafistoler un peu sous les manches pour pas avoir des trous. Et alors, ce que j'ai pas aimé du tout avec ce fil-là, les côtes en... Alors, c'est des côtes... C'est des côtes 1-1, je crois. D'ailleurs, il y a une d'entre vous qui m'a dit que c'était pas beau, qu'il fallait démonter et refaire des côtes torses, ce que j'ai fait. Merci pour le conseil. Mais c'est vrai que c'était pas beau. C'était vraiment moche. Alors, excusez-moi, j'aurais dû prendre des notes. Alors, je cherche, je reviens. Excusez-moi, j'ai trouvé. Alors, je peux vous dire en même temps, j'ai rallumé mon ordi pour vous dire que j'ai acheté 5 pelotes de Tinlin de Sandnesgarn. Donc, j'en ai utilisé 3 pour faire le top, donc à manches courtes. Il m'en reste 2. Et j'avais acheté 2 pelotes de rose fluo, là, de Jawohl. Et j'en ai utilisé moins d'une, puisqu'elle était entamée. Voilà. Et sinon, donc, le top se terminait par des côtes 1-1 pendant 5 cm. Déjà, je trouvais que c'était des côtes de 5 cm, ça me paraissait long. Bon, après, moi, j'ai pas l'habitude. Hein, comme je vous dis, c'est mon deuxième patron de top terminé. Donc, je trouvais pas ça très beau esthétiquement. Et même si j'avais tricoté les côtes en 2,5, elles étaient pas très jolies. Je trouvais que ça faisait un peu large, enfin un peu déjaugé. Donc,
je me suis dit tant pis, j'en avais marre de le tricoter, donc j'ai dit bah je rabats et puis c'est pas grave pour les côtes. Sauf que j'ai voulu faire, alors comme mes manches, là je sais pas ce qui s'est passé, là je l'ai lavé hier, je l'ai lavé et je l'ai rincé, je l'ai essoré dans ma machine et je l'ai mis à sécher dehors mais pas au soleil, à plat sur une serviette. Et il est mieux que ce qu'il était quand je l'ai terminé. Là ça va, il est pas mal. Parce que en fait pour les manches, je savais pas du tout combien il me fallait de nombre de mailles pour faire. Vous voyez, vraiment j'y suis allée au pif. En fait quand j'ai repris, j'ai fait une rayure beige, une rayure rose et j'ai fait des petites côtes, mais vraiment sur 1,5 cm. Des côtes 1-1, là c'est pareil, une rayure beige, une rose, les côtes 1,5 cm. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille, donc à l'italienne. Je trouve ce rabat super, alors c'est Céline Madame Bibiche qui fait tout le temps ce rabat. Et parce que c'est un rabat qui a l'avantage d'être élastique. Et je trouve que vraiment c'est top quoi. Là je suis pas serrée, ça resserre pas les manches, c'est vraiment super bien. Alors j'ai regardé une vidéo pour faire ce rabat et je ne sais plus c'était de qui. Enfin, j'ai regardé un tuto vidéo, ça a été très simple, je l'ai regardé deux fois, après je me suis souvenue et j'ai fait mes deux manches comme ça. Et donc j'ai voulu faire le bas pareil, une fois que mes côtes 1-1 étaient finies et que j'avais fait quand même 5 cm, même si elles étaient moches, je voulais rabattre et terminer. Sauf que donc pour faire le rabat à l'italienne, il faut prévoir ce qu'elle conseille dans la vidéo, trois fois la longueur de donc là le diamètre du projet, donc trois fois cette longueur, donc ça fait un très grand fil. Et donc avec l'aiguille à laine on commence le rabat, sauf que ce fil est tellement fin. Et je suis contente parce que ma tante m'a confirmé qu'il faisait des nœuds très facilement, il a fait plein de nœuds. Et j'ai passé plus de temps à défaire les nœuds qu'à faire mon rabat. J'ai mis un temps fou. Et une fois que je suis arrivée à la fin du rabat, on voyait quand même les petits nœuds parce qu'il y en a que j'ai pas réussi à défaire tellement le fil est fin. Et là, j'ai trouvé ça tellement moche. J'ai voulu démonter tout et refaire les côtes. Sauf que bah, avec les nœuds, impossible de démonter. J'ai dû couper. Je vous assure, j'ai galéré. J'ai regardé une vidéo de Claude Tricot pour mettre un fil de survie au ras des côtes. J'ai coupé, j'ai essayé de rattraper mes mailles. Bon, il y a des petits endroits où j'ai pas réussi à récupérer le fil correctement. Donc, il y a des petits endroits, il y a des fils coupés que j'ai dû faire des nœuds. Enfin, franchement, ça a été une galère pas possible. Donc, au final, une fois le fil de survie mis, j'ai donc repris les côtes en faisant des côtes torse 1-1 et j'ai fait un rabat classique. Alors clairement, je sens que c'est tendu au niveau du rabat. J'ai essayé de rabattre souplement mais c'est vraiment moins souple que le rabat à l'italienne. Mais ça ira très bien comme ça. Et je vous montre, c'est pas super beau les finitions mais voilà, il est terminé. Et là, c'est un petit peu, voilà, ça va, faut pas que je grossisse, clairement pas. Je vous montre et je vous parle après. Donc, voilà, et voilà ce que ça donne. Donc, là, ça tend un peu, en fait, sur le bas du projet. Mais je vous dis, si je grossis pas, ça va aller. Et pour les côtes, j'avoue que j'ai expédié parce que je n'en pouvais plus. J'ai fait 2 cm de côte torse. Et un rabat classique. Donc, on tricote, on passe la maille au-dessus. Voilà, ce que ma tante m'avait appris quand elle m'a appris à tricoter à plat. Voilà. Et ben, je peux vous assurer que je suis soulagée de l'avoir terminé, mais tellement soulagée. Franchement, j'ai galéré. Mais bon, voilà. J'ai appris plein de choses aussi. Hein. J'ai appris plein de choses avec ce projet. J'ai appris, ben, c'est le deuxième patron de Nadia Crétin-Léchaine que je fais, puisque j'avais fait le châle Pompadour.
pas de problème pour les explications. Hein. Vraiment, voilà. À savoir si c'est pour les débutants, je ne sais pas. Moi, j'avais jamais tricoté ce genre de haut. Bon, vous avez, voilà, j'ai eu des petits soucis. J'ai redéfait un certain paquet de fois. Mais je pense que si on persévère, on peut y arriver. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce haut. Au final, hein, je le trouve beau. J'adore mon choix de couleur. Le yoke en... c'est surtout le yoke en dentelle, moi, qui m'a tout de suite plu. C'est pour ça que j'avais flashé dessus. Voilà, il est fini, on n'en parle plus, je suis contente, ça rend pas trop mal, j'ai rafistolé comme j'ai pu là où il y avait des petits trous. Ça va, j'ai essayé de faire un truc propre au niveau de la jonction des rayures. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu et un énorme merci à vous parce que alors à chaque fois que j'en parlais, tout le monde m'encourageait de pas lâcher, de pas baisser les bras, qu'il allait être beau. Donc franchement, je me suis accrochée et je me demande si j'avais pas ce podcast, si vous n'étiez pas là, si je pense que j'aurais baissé les bras. Franchement, je pense que j'aurais baissé les bras. Donc merci à vous. Hein. Je pense que sans vous, je l'aurais pas fini. Là, c'était le challenge, je voulais vous le montrer, je voulais vous, voilà, me prouver aussi à moi que j'étais capable de le finir, même si vraiment, je sais qu'en dessous, il y a des petits fils pas beaux, mais bon, c'est sur l'envers. Et je pense que franchement, je le porterai quand même, même s'il y a des petites mailles pas jolies, et que, voilà, mais je pense que ça vaudrait le coup de le refaire dans un autre fil. Rien que pour me prouver que je suis capable de recommencer. Mais bon, pas tout de suite. Voilà, donc celles qui sont lancées dans le lorette, eh ben, j'aimerais bien voir vos versions. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais vous, sur Instagram, si on peut s'échanger les photos, moi j'aimerais bien voir vos versions. Et là, je dis bon courage Tata. Tata d'amour. Parce que c'est elle qui... Là, aujourd'hui, c'est son tour, c'est elle attaque le sien. Donc, mais bon, elle est douée, il n'y a pas de souci. Elle va pas galérer comme moi. Voilà, épisode Lorette terminé. Et Imelda, j'espère que je t'ai fait rire à nouveau. Voilà. Alors, le Lorette fini, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'avais un projet terminé. Et je vais vous parler de deux projets en cours. Alors, j'en ai plus en cours, mais là, c'est les deux sur lesquels je tricote, je travaille en ce moment. Alors. Je voulais dire merci à une petite fée qui m'a envoyé un colis et qui... J'ai adoré comment elle a tourné ça. Elle m'a envoyé un petit paquet en me disant que j'avais déclaré un combat ou un challenge séance mouchage. Donc, dans le dernier podcast, je disais que cette année, il n'y avait pas moyen. Il fallait que je me perfectionne en chaussettes parce que vraiment, le tricot chaussettes, mais j'adore ça. Je trouve ça trop beau. J'adore, ça me passionne. Donc, si vous voulez voir, voilà, mais dans le podcast d'avant, j'ai montré mes essais de chaussettes que jusque-là n'ont pas été très, comment on pourrait dire, c'était plutôt ce sont des brouillons. Voilà, je vous ai montré mes brouillons dans le podcast d'avant et j'ai dit, il n'y a pas moyen, je vais réussir à faire une chaussette correctement, à faire des chaussettes correctement. Je veux me faire une boîte de bas et je veux me perfectionner en chaussettes en jacquard, puisqu'à chaque fois que j'en fais, je rentre pas mon pied dedans. Et il y a une fée, franchement, une gentille fée. Ouais, je sais pas si on peut dire les noms, je sais pas comment on fait dans ce milieu-là. Moi, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Alors, pour le coup, je sais qu'elle se reconnaîtra, je pense, et je lui dis un énorme grand merci, qui m'a envoyé les armes pour mener le combat chaussette. Et j'ai trouvé ça tellement bien tourné, tellement gentil, c'était tout à fait les bons mots, ça m'a fait sourire. Et du coup, voilà, j'ai été super gâtée. Et voilà ce qu'elle m'a envoyé. Alors, si avec ça, je fais pas des magnifiques chaussettes, je vous assure que non, mais là, franchement, un grand merci, un énorme merci, un bisou. Je sais pas quoi dire parce que... C'est vrai que des fois j'hésite à mettre une paire d'aiguilles dans mon panier parce que ça fait tout de suite pouf monter la note. Et ben là, c'est parfait. Donc voilà. Merci beaucoup. Et ça, c'est trop bien.
parce que je vous avais dit que des fois j'arrivais pas à lire les numéros d'aiguilles sur, basés sur les aiguilles par 10. Et en fait, c'est une petite règle, il suffit de, bah voilà, de mettre l'aiguille dedans et puis on sait de quelle taille d'aiguille il s'agit. Et là, en l'occurrence, j'avais perdu la pochette de mes Xiaogu et je sais que je tricote les chaussettes à la vanille selon le tuto de Madame Bibiche, Céline, en 2,75. Bah, comme ça, je vous en parle tout de suite. Alors, je vous avais dit que j'avais commencé des chaussettes à la vanille, donc des chaussettes toutes simples, mais j'avais quand même choisi de faire une couleur contrastante pour le talon et les côtes. Selon le tuto de Madame Bibiche, Céline, See You Later Knit. Alors, ce patron, c'est un patron qu'on trouve sur Ravelry, qui est gratuit. C'est le patron des Favorite Socks de Christine Lehrer. Voilà. C'est un patron gratuit, donc on le télécharge. Vous pouvez aller voir dans mon Ravelry si vous voulez. Il est presque à jour. Faut juste que je note ce que j'ai terminé. Donc, je l'ai téléchargé. Et en même temps, je suis donc la vidéo de Céline qui a fait, je crois, 4 vidéos. Alors, attendez, je vous retrouve... J'ai mis les pages quand même. Voilà. C'est le cale chaussette in English avec Bibiche. Alors là, j'en suis à vidéo 3. Donc sur YouTube. Et en fait, elle tricote avec nous ce patron gratuit. Et déjà, ça permet de s'habituer aux abréviations anglaises parce que c'est écrit en anglais. Mais c'est facile, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Moi, je me faisais tout un monde de tricoter en anglais. Et en fait, quand on sait que knit, c'est tricoter et purl, c'est tricoter à l'envers, après, ça va. C'est tout le temps la même chose. Donc là, j'en suis à diminution du gousset. Voilà. Alors, ce que j'ai fait... Donc, avec cette laine, je me sens obligée à chaque fois de vous dire ce que j'utilise comme laine parce que bah, s'il y a des nouvelles par ici, voilà. C'est la Superba Bambou de Superwash de Rico Design. Elle est géniale, j'aime beaucoup cette laine. C'est une grosse pelote comme ça qui fait des motifs toute seule, canon. Elle est très agréable à tricoter, elle fait pas de fil, elle est fine et ronde, j'adore. Et pour le contrastant, c'est de la Jawol de Langyarn. J'adore aussi ce fil pour le... J'adore, je trouve qu'elle est très agréable à tricoter aussi. Donc, on a commencé par faire des côtes de 2. Ensuite, donc là, je tricote en 2,75 avec des Xiaogu en Magic Loop parce que mes autres petites mini-circulaires, elles sont sur d'autres chaussettes que je terminerai plus tard puisque elles sont marron et orange et je trouve que ça fait automne et là j'ai pas envie de tricoter l'automne. Donc voilà, on fait les côtes, ensuite on a fait la tige et ensuite c'est un talon renforcé à gousset. Bien sûr, j'ai dû recommencer une fois parce que j'avais fait une boulette, mais bon, ça va. Franchement, alors remarquez que Magic Loop et pas d'échelle, pas de trou. Quand même si j'aime pas tricoter en Magic Loop, je me suis améliorée. Il n'y a pas de trous. Avant, j'avais une petite échelle avec des trous sur le côté. Et là, le talon renforcé à gousset, franchement, je suis contente. Là, c'est le dessus du talon, le talonné, je crois qu'elle a dit. Et là, je suis en train de faire les diminutions parce qu'en fait, on a fait des augmentations pour le talon. Donc ça, c'est le dessus du pied. Alors moi, c'est 64 mailles, la taille que j'ai choisie. Donc il y a, quand vous tricotez en Magic Loop, il y a 32 mailles pour le dessus du pied, 32 mailles pour le dessous. Sauf que là, on fait des augmentations pour le talon. Donc on a beaucoup plus que 32 mailles. Donc on va venir faire un rang sur deux, des diminutions là sur les côtés du talon. Pour jusqu'à ce qu'on retrouve en fait les 32 mailles qu'on avait avant comme sur le devant du pied. Voilà. Et franchement, elle explique super bien. En plus, elle donne des petits conseils. En plus, elle donne des petits conseils. Elle voilà, elle se contente pas de lire le patron, de tricoter. Elle partage son expérience parce qu'elle en a fait beaucoup des chaussettes.
Et ben, il y a vraiment énormément de trucs et astuces à prendre. Et je suis contente de faire ce cal parce que ça m'apprend aussi plein de choses. Donc là, jusque-là, c'est facile. Et je voulais faire donc une paire de chaussettes à la vanille pour voir ce qui me convient comme taille d'aiguille. Donc là, je suis partie sur la taille 2, je crois, en 64 mailles. Donc moi, je fais du 38-39. Et bon, j'ai pas un pied très large. Mais bon, n'empêche que je rentrais pas dans mes chaussettes que j'avais tricotées avant. Voilà, pour voir s'il faut descendre d'une taille d'aiguille quand je tricote en jersey. Et après, donc, je vais me lancer dans les chaussettes en jacquard avec une taille au-dessus. Donc là, je remercie donc ma petite fille qui m'a envoyé ça parce que là, je vois qu'elle m'a pris des numéros des 3 mm. Et comme là, c'est des 2,75, et ben les prochaines en jacquard, je vais vous montrer que je vais faire. Je vais les tricoter en 3, comme ça je vais voir si c'est plus large et si j'arrive à passer mon pied dedans. Donc voilà, là je fais les diminutions du gousset. Alors j'ai pas eu de mal à relever les mailles là sur le côté du talon. Franchement, ça s'est bien passé. J'ai bien réussi à les repérer parce que ça a été mon problème sur la première paire que j'avais tricotée. Et là je fais donc les diminutions ici, un rang sur deux. Alors d'un côté c'est SSK, je crois que c'est slip knit, glisse glisse tricote, et l'autre côté c'est purl two together, donc tricote deux ensemble. Voilà. Voilà, je suis contente, elles sont jolies et ça avance. Bon, j'ai fait qu'une chaussette, mais là vraiment c'est le but, c'est de faire les deux chaussettes. Et de me faire une jolie boîte de bas parce que les prochaines, dès que j'ai trouvé ma taille d'aiguille qui me convient et la taille de chaussette, pardon, toujours les allergies. Et ce que vous voyez pas, c'est que j'ai les yeux tout gonflés à force d'avoir les yeux qui pleurent et de me moucher. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, je coupe un peu et ce sera plus facile à charger. Donc, je disais, une fois que j'aurai trouvé. La taille qui me convient et la taille d'aiguille, et ben en fait j'hésiterai moins à utiliser des laines de teinturière pour faire des chaussettes puisque je sais que la taille sera bonne et que voilà, je pourrai les mettre, enfin les porter et que je pourrai en profiter et que j'aurai pas besoin de tout démonter. Donc j'avance sur les chaussettes à la vanille de Madame Bibiche et vraiment son tuto est super bien fait. Donc là il me reste une vidéo et j'ai fini ma chaussette normalement. Ouais, voilà, une vidéo et ma chaussette est terminée et je pourrais faire la deuxième. Donc si vous voulez les infos pour le patron et tout, hein, n'hésitez pas à aller sur mon Ravelry, il est dans mes projets en cours. Comme ça, vous avez les infos, tous les renseignements dont vous avez besoin. Et donc, comme c'est le combat chaussette, le challenge chaussette cette année, j'ai décidé de participer au cal organisé par Sarah, un petit bout de bricole que j'embrasse très fort. Un gros bisou, Sarah. J'adore ses podcasts, j'adore ce qu'elle tricote. Enfin, voilà. En général, si je regarde les personnes que je suis, c'est que vraiment j'adore. Alors, dans son dernier podcast, je crois. D'ailleurs, elle a tricoté la magnifique laine de Bulbe Bizarre, je ne sais plus le nom, mais allez regarder son dernier podcast, elle s'est fait un chauffe-épaule, une laine avec des couleurs magnifiques et des brillants. C'était trop beau. Elle a fait aussi. Ah oui, elle m'a fait rire parce qu'elle tricote des pulls d'hiver. Des pulls d'hiver au mois de juillet. Mais en même temps, je la comprends. Moi, j'ai presque envie aussi de me remettre au gros pull à jacquard, là, même s'il fait chauveur. Elle a fait un pull avec un yoke avec des petites fleurs là dans les couleurs beige et marron qui est trop beau. Mais bref, c'est pas le sujet. Elle organise un cal sur une paire de chaussettes qui commence le 22 juillet et jusqu'au 11 août. Mais après, si vous n'avez pas fini le 11 août, c'est pas grave du tout. Si vous voulez participer, vous allez sur Instagram, vous lui demandez de vous ajouter au groupe de tricot sur le cal chaussettes. Et pour ce cal chaussettes, elle a choisi des chaussettes de Renard Endormi. Du coup, j'ai découvert Renard Endormi grâce à Sarah.
Et Renarde endormie, en fait, elle fait des patrons de chaussettes et aussi des marques. Alors, elle a des patrons chaussettes sur Ravelry et sur son site, je crois que c'est renardeendormie.bigcartel.com, elle vend ses patrons et elle vend aussi des marqueurs de maille, je crois, en bois, il me semble. Et des étiquettes en cuir. Voilà, mais elle fait un travail magnifique. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette designeuse. Donc le patron de chaussettes, c'est les Rainy, pardon, en anglais pourri, Chicken Socks. Donc c'est des petites poules, trop rigolotes, est-ce que vous voyez bien là, qui portent des bottes de pluie. C'est trop beau. Et ma tante est fan de poules, alors c'était un petit clin d'œil, j'avais envie de me les faire. Parce que voilà, ça me faisait penser à elle. Et puis elles sont rigolotes, et puis ça me fait plaisir de participer au cal de Sarah. Donc... Avec, si vous allez voir la dernière vidéo de Sarah, en fait, Renarde endormie, elle a créé un code pour avoir 50% sur le patron de chaussettes qui est disponible sur Ravelry. Du coup, au lieu de le payer 6 euros quelque chose, il était déjà pas très cher, je l'ai payé 3,20 euros, je crois. Donc, j'ai acheté le patron aujourd'hui, j'ai regardé ce que j'avais comme laine. Donc, c'est pas un immense jacquard, il y a surtout beaucoup de jacquard sur le. La cheville, je me dis que c'est peut-être bien pour recommencer, se réconcilier avec le jacquard chaussette et utiliser ces aiguilles-là qu'on m'a gentiment offertes. Et du coup, pour tricoter ces petites poules, alors j'ai déjà, je vais vous remettre la photo en grand, j'ai déjà de quoi faire les bottes et la crête et le bec. Voilà, parce qu'il faut du moutarde, du rouge, il me manque le blanc et il me manque les deux couleurs de fond, mais j'hésite à les faire en verte parce que les poules elles sont dans un pré et du coup j'ai envie de faire du vert et du vert clair avec les petites poules. Alors je sais pas. Je ne sais pas quelle couleur je vais choisir. En tout cas, là c'est de la jawool. Je pense que je vais rester sur ce fil-là. Vraiment, je sais pas si vous avez une idée pour la couleur du fond. Je sais pas quoi faire. Là, il faut que je fasse une commande pour la laine. J'en sais rien du tout. Je serais bien partie sur du vert. Et en fait, j'ai regardé sur Rascol, mais il y a tellement de couleurs en jawool. Il y a un choix de fou. Après, je m'étais même dit, bon, rien à voir, mais un violet. Violet et parme, je sais pas du tout. Ouais, ou alors plutôt dans les verts. Il y a des beaux verts aussi. Oh, je sais pas, mais j'avais pas envie de faire du bleu. Voilà. Donc si vous voulez m'aider, hein, n'hésitez pas. Donc ça c'est un tricot que je vais commencer dès que j'aurai commandé la laine. J'espère que d'ici là, j'aurai bien avancé sur mes chaussettes à la vanille. Mais je m'autorise à les tricoter là. Parce qu'on m'a gentiment offert des aiguilles. Et qu'en plus, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Donc, je fais ce que je veux. Ça me fait plaisir. Alors, je commencerai mes chaussettes poulettes. Et du coup, il va falloir que je me recouse un pochon pour mettre mon tricot chaussettes poulettes. Et. Peut-être que je vais filmer le pochon que je ferai pour mettre ces chaussettes. Comme ça, je ferai le tuto en même temps. Je sais pas, hein, je dis ça. Des fois, je fais des plans sur la comète. Et puis après, il y a les garçons qui passent par là. Et que je dois emmener à droite, à gauche, et ici et ça. Et du coup, je fais rien du tout. Voilà. Donc, vous savez comment c'est quand on a des enfants. Enfin, des grands ados, adultes même. Un adulte. Ben, ils ont quand même toujours besoin de vous. Hein. Bon, moi je suis contente, hein, mais des fois ça me change un peu mes projets. Je me dis aujourd'hui, je me cale un après-midi tricot, et au final, j'ai passé l'après-midi en voiture. Hein. Voilà, bref, on ferme la parenthèse. Donc, si vous voulez tricoter ces cocottes avec moi, et ben n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de Sarah, un petit bout de bricole. Vous avez le code réduction de Renard endormi sous son dernier podcast à Sarah. Et puis, ben voilà,
faire plein de poulettes là cet été, ça va être chouette. Voilà, donc ça c'est projet futur, futur proche, hein. Et ensuite, ce qui est sur mes aiguilles et que je tricote en ce moment, c'est le top Cadakès d'Emily Louis. Bon, j'ai un peu moins tricoté, j'ai avancé un peu, mais moins parce que en fait, je voulais tellement me débarrasser du Lorette, le pauvre. Vraiment, le projet boulet. J'en avais marre, je voulais plus le voir celui-là. Donc, je me suis donnée à fond dessus, mais du coup, j'ai pas beaucoup avancé sur le Cadakès. Mais c'est pas grave, au moins il est terminé. Et ça, c'est fait. Donc, le Cadakès, si vous vous rappelez, c'est un petit débardeur avec comme particularité d'avoir des bretelles en torsadé. Je sais pas si on les voit mieux là. Oui, là, on les voit mieux. Alors, là, on les voit bien là. En fait, ça fait sur la bretelle, ça fait une maille torse au milieu et de chaque côté des torsades. Donc, que je fais avec, je l'ai pas prise là, mais j'ai une troisième aiguille, une aiguille à torsade. Je fais mon, voilà, je monte mon truc. Je vous ai dit que je me fatiguais toute seule, hein. Voilà. Tout est dit. Donc, je monte ma bretelle. Je file en plus le montage provisoire avec une vidéo. Voilà, ça s'est bien passé. J'avais jamais fait ça. Je fais ma bretelle. Alors, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. J'ai peur. Une fois arrivée à 20 cm, il faut faire 27 cm pour ma taille. Donc là, là, elle est jolie. Là, elle est très jolie. Elle est jolie, elle est. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire comme ça. Voilà. Là, on a bien les deux torsades et la maille torse. Et là, bon, j'ai commencé la partie du haut là. Et j'en suis au moment où il faut commencer la deuxième bretelle. Et j'ai mis mes super bloqueurs, stoppeurs d'aiguilles Sushi. Je trouve qu'ils vont bien avec le fil du Lorette. Donc j'étais toute fière de moi. Je dis pas de boulettes, nickel. J'attends d'avoir 27 cm et tout. Et puis je regarde. Alors je crois que c'est Adèle. Oui, c'est Adèle, au fil d'Adèle. Oui, c'est Adèle. C'est Adèle, je crois, qui a tricoté le Lorette aussi. Bon, d'ailleurs, elle avance bien plus vite que moi. Puis je regarde et je dis, bah, c'est bizarre parce que sa bretelle, ça fait pas comme moi. En fait, au lieu d'avoir des torsades là, je sais pas pourquoi, j'avais des traits. Bah, elle était belle, hein, mais j'avais des traits comme ça qui partaient en torsade un peu sur le côté. Enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée parce que le diagramme est très clair. Et quand j'ai tout redémonté et que j'ai refait, bah, je sais même pas comment j'ai fait pour me tromper parce que pas plus clair. Donc, bah, j'ai recommencé et là j'ai bien ce qu'il faut. J'ai dit ça à ma tante, elle était morte de rire. Mais c'est grâce à Adèle en fait, parce que si j'avais pas regardé son podcast, je pense que je me serais pas rendu compte de mon erreur. Et puis bah, j'étais partie pour faire le débardeur comme ça. Donc voilà, encore une boulette, mais c'est pas grave, là, elle est réparée. Je vous dis, j'espère juste qu'il va pas trop se détendre au blocage et que ça va pas me faire une immense bretelle parce que moi j'aime pas quand c'est trop échancré là au niveau de la poitrine. Et franchement, hormis le fait que j'étais sûre de moi et que tout se passait bien, il est facile, le patron est facile pour l'instant. Donc voilà. Et pour tricoter ce petit top jaune, c'est la fameuse laine que j'ai achetée chez ma mercière ici, qui n'avait pas ce que je voulais, mais c'est un fil coton basique jaune. Voilà. Voilà, donc il a pas beaucoup avancé, mais un peu quand même, hein. Et par contre, j'aime bien. Alors, contrairement à la Sandnesgarn, là, au fur et à mesure que je tricotais le jersey, je trouvais que le rendu était pas très beau. Et là, par contre, ben, le jersey, moi, je le trouve joli. Je trouve que les mailles sont régulières.
Ouais, je trouve que les mailles sont régulières et que ben le je sais pas comment on dit le drapé du tissu est beau. Donc après faut voir pareil une fois que c'est lavé parce que c'est Angélique, Mademoiselle Angélique Knit qui tricote un fil 100% coton mais de langue, je crois. Et bah, je viens de regarder son podcast et en fait elle avait fait un blocage à mi à la moitié de l'ouvrage. Et en fait, il avait pris 10 cm. Alors, si mes bretelles prennent 10 cm, ça va pas aller, hein, parce que je vais me retrouver avec une encolure ici et j'ai pas envie de tout recommencer. Alors, j'espère vraiment que je les ai pas faites trop longues. Parce qu'elle dit de tirer un peu dessus quand on mesure, mais ne pas hésiter à tirer dessus. Mais je crois que moi, même sans tirer dessus, ça fait 27, hein. Je vais vous redire ça. Alors. Si je me mets bien là. Alors j'ai 26 sans tirer dessus. On va dire que ça va aller. On va dire que ça va le faire. Voilà. Donc bah, la suite au prochain épisode. C'est un patron payant sur Ravelry. Et bah, je peux pas vous montrer la grille parce qu'il est payant, mais franchement, la grille, le diagramme, il est facile. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû le lire en biais ou j'ai dû le lire quand j'étais fatiguée. Parce que des torsades, j'en avais déjà fait. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon tout premier podcast, je vous montrais le gilet que j'ai fait feutrer en machine là. Un modèle fil d'art avec des nopes et des torsades. Franchement, j'ai l'habitude des torsades, donc ça va. Donc là, c'est vraiment une erreur de lecture. Et pour l'instant, son patron est très très bien expliqué. C'est pareil, c'est la première fois que je tricote un patron d'Emily Louis. Et si j'aime sa façon d'écrire, je pense que je ferai un gilet parce qu'il y a des chouettes gilets, des patrons de gilets. Il me faut des gilets pour l'automne, donc je pense que je ferai un gilet de chez elle. Donc pour les ouvrages en cours, bah voilà tout ce que j'ai. J'ai aussi mon cumulesti, mais j'ai avancé un petit peu, mais c'est du jersey en droit là. Je suis toujours sur le corps. Donc bah, ça sert à rien que je vous le montre. Hein. Faut que je déroule le corps en jersey. Je vous le remontrerai peut-être la semaine prochaine, parce que je compte bien revenir dimanche prochain, comme je fais d'habitude. Donc oui, si j'ai avancé, je vous le remontrerai. Mais là voilà pour ça. Je suis passée chez Pauline. De la mercerie de La Rochelle. Puisque mon fils adore aller à la Rochelle et quand on a du temps, bah, on va passer une journée là-bas. Bon, c'est à 1 heure de chez moi, mais en ce moment il y a de la circulation et franchement, elle est super gentille. J'adore sa mercerie. Bon, j'ai pas eu trop de temps pour traîner, flâner dans sa mercerie, mais j'ai pris normalement. J'ai fait une petite vidéo, je vais essayer de vous l'insérer. Et j'ai pris de quoi finir mes sacs à projets. Et j'ai aussi trouvé les petits ciseaux de Liz Taylor. J'adore. Ça faisait vraiment que je les voulais. Et, en plus, dans cette couleur-là, j'ai pris les ciseaux. Je vous ai trouvé des jolis cordons pour les sacs à projet. Et alors là, c'est des... Ah, oh, vous n'allez pas voir. C'est un rose poudré avec des paillettes dorées. Magnifique. Magnifique. Et celui-là, c'est du cordon classique. Mais alors celui-là, il est trop beau. Mais on ne voit pas. On voit pas les paillettes. Voilà, j'ai aussi repris de la sangle à paillettes pour les sacs à projets. Parce que vraiment, la paillette, hein, moi j'adore. Donc j'ai pris ça chez Pauline. Je trouve ça bien, voilà, plutôt que de commander quand j'y suis, de prendre chez elle. Parce que ça... Je trouve ça bien, moi, les commerces comme ça qui perdurent. Et j'aurais pas envie qu'elle ferme. Et puis voilà.
Donc quand j'y vais à chaque fois, que j'ai des choses à acheter, je passe chez elle. Et ensuite, et d'ailleurs, merci à celle qui... Apparemment, il y a une cliente qui lui a parlé de moi. Et du coup, on a pu discuter un peu avec Pauline. C'était chouette. C'était chouette d'échanger grâce à ce podcast et grâce à l'une d'entre vous qui a parlé de moi, qui a découvert la mercerie dans mon podcast et qui en a parlé à Pauline. Et du coup, ça nous a permis d'échanger un petit peu, bien qu'à chaque fois que j'y vais, elle a du monde, hein. Voilà, ensuite, pour ce qui est des sacs à projet de ma boutique, j'ai fini celui-là qui attend un cordon. Il est... Alors, je le trouve canon, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les modèles plus classiques? Mais moi, là, vraiment, je le trouve trop beau. J'ai aussi fini celui-là. Je vous l'avais montré, je crois. Alors, ça, c'est des tailles M. Donc, pour des projets, vous pouvez mettre facile quand même 3 écheveaux dedans, hein. Contrairement au L où vous pouvez mettre 4, 5 écheveaux, même 6. Ouais, même 6. Bah, ça, c'est le mien. Ouais. Le L, le M. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un petit cordon rose à paillettes pour mettre dessus. Et il faut que je les mette en ligne dans la semaine. Alors. J'avais coupé, donc voilà, c'est plus facile pour moi après pour charger les vidéos. Donc, je voulais juste vous faire un petit mot par rapport à ma boutique. Alors, bon, ceux et celles que ça n'intéresse pas, bon, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai juste pour 5 minutes. Mais si vous voulez partir dès à présent, puisque j'ai terminé de parler de tricot, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et merci d'avance pour les pouces en l'air sous la vidéo et les commentaires. Si vous avez le temps, 2 minutes, 1 minute, me mettre un petit quelque chose, bah, c'est super gentil et ça permet à mes vidéos d'être plus vues. Voilà. Donc, merci à vous. Donc, je voulais dire quelque chose à propos de ma boutique. Donc, ma boutique de sacs à projet sur Big Cartel, donc Nana et Chocolat. C'est une boutique que j'ai ouverte il n'y a pas très longtemps. J'en avais une sur Etsy, mais où je vendais plus de l'enfant, vous le savez. Et là, j'ai décidé vraiment de me mettre à fond bah, dans les accessoires pour les tricoteuses, les couturières et tout, parce que voilà, c'est mon univers. Et mon but, ce serait d'en vivre. Ou du moins, au moins de pouvoir faire un temps partiel sur ma boutique et un temps partiel dans mon travail, qu'en ce moment le travail principal. Donc, en ce moment, je suis à temps plein dans mon travail principal et je m'occupe de ma boutique. Et c'est pas évident. C'est pour ça que j'aimerais que, enfin, je vous demande si vous pouvez être tolérant. Parce que j'ai un message pas très sympa et je vous avoue que je suis plutôt ultra sensible. Et de suite, ça m'a tourmentée, j'y ai pensé plusieurs jours, ça, tout de suite, je me remets en question, enfin, ça m'a fait mal au cœur parce que je sais que vous aimeriez qu'il y ait des sacs plus et plus rapidement, mais je fais tout toute seule, je couds, je prends les photos, je mets en ligne, je réponds à vos messages. Donc j'adore ce que je fais, hein, mais le problème c'est que à côté de ça, je suis obligée de travailler quand même pour pouvoir vivre, puisque ça, je suis en train de développer cette activité-là grâce à vous. Donc je sais qu'il faudrait que j'aille plus vite. Non, c'est pas une boutique fantôme. Non, vraiment je travaille dessus à fond. Et ça me peine aussi quand je peux pas avancer dessus et vous proposer d'autres sacs, mais je fais vraiment mon maximum. Je fais vraiment mon maximum. Et j'avais dit que je prenais plus de commandes personnalisées. Et là, j'ai quand même pris 2-3 commandes parce que c'était des personnes vraiment adorables et qui me mettent pas la pression, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, vraiment, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, cette boutique. Et je fais du mieux que je peux. Et si je peux faire plus vite, je fais plus vite. Voilà ce que je voulais dire. Et. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que je bâcle pas mes sacs et je passe beaucoup de temps à les faire parce que je passe aussi beaucoup de temps à choisir les tissus. Là, vous voyez, par exemple, sur celui-là, il y a beaucoup de travail avant la couture, en fait.
parce que j'aime bien mélanger les motifs, j'aime bien mélanger les matières et j'adore coudre des imprimés. Donc c'est vrai que je prends du temps à les faire, mais j'ai pas envie de bâcler, j'ai envie d'avoir de vous proposer des sacs originaux et jolis et voilà et de qualité. Et puis ben, des fois il me manque du matériel et puis ben, il faut le temps que je reçoive le matériel. Là par exemple il manquait les cordons pour finir mes sacs. Et après il faut que je trouve du temps pour faire les photos. Mais enfin je finis toujours par le trouver ce temps. C'est juste que voilà, je fais de mon mieux, j'espère vous en proposer de plus en plus, réussir à faire des petites collections et puis après me dégager plus de temps pour vraiment travailler plus sur la boutique que à mon travail principal. Mais voilà, ça se fait progressivement et ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, après, bah, je suis désolée, je suis vraiment désolée pour les gens qui attendaient des sacs et puis... dont j'ai pas eu le temps de mettre les fiches à jour ou voilà. Je m'excuse, hein, je m'excuse, mais je fais comme je peux. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien parce qu'à chaque fois que je propose des modèles, ben, vous êtes tous enthousiastes. Vous me faites toujours des retours positifs. Donc ça m'encourage encore plus et ça me motive. Parce que voilà, je baisserai pas les bras. Je veux que mon projet aboutisse. Et puis, ben, je me donne à fond, sachez-le. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous embête pas plus longtemps. Ces modèles-là, ben, je vais essayer dans la semaine de mettre le cordon et de faire les photos et de les mettre en ligne. J'en ai d'autres là, mais il y en a un qui est réservé. Et puis voilà, dès que je travaille dessus, ne vous inquiétez pas. Et ben, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un très beau week-end. Une belle semaine, plein de beaux moments tricot. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous tricotez en dessous. Moi, j'adore lire. Puis ça me donne des idées. L'autre fois, j'ai découvert un petit patron que j'ai mis de côté parce que l'une d'entre vous m'a dit je tricote. Alors, j'ai pas noté. Mon cahier est là, hein, mais je l'ai pas utilisé. Elle m'a dit qu'elle tricotait un modèle. Je suis allée voir et du coup, il m'a plu. Hop, je l'ai mis de côté dans ma bibliothèque Ravelry. Donc. Voilà, on s'aide, on partage des choses, on découvre, c'est le tricot. Moi, je sais que quand j'ai des petits coups de mou, eh ben, j'aime bien tricoter des chaussettes. Ça me fait du bien au moral. Et puis maintenant, j'ai de quoi faire pour tricoter les chaussettes. Je vais faire une petite commande de laine de Jao, là, ça va me faire du bien. Et puis, ça sera mon cadeau à moi-même d'anniversaire. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.